Salut YouTube, il fait chaud aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai encore jamais fait, qui est une réaction à de la musique. Donc, quand j'ai commencé cette chaîne, je pensais pas du tout en faire, mais avec le temps, j'ai fait pas mal de réactions à des trailers de jeux vidéo, des séquences de gameplay, tout ça, donc je me suis dit, je suis un immense fan de Crystal Lake, groupe de métal japonais pour ceux qui connaissent pas, de metalcore plus précisément. Et je me suis dit, voilà, j'adore le groupe, et donc je vais faire une réaction à. Alors, deux nouvelles vidéos qui viennent de poster, leurs deux nouvelles musiques. Par contre, petite clarification, moi je ne suis pas du tout un expert en musique, hein. J'ai jamais appris le solfège, de la musique, ça fait longtemps que j'en ai pas composé, ça fait très longtemps même, plusieurs années. Donc vous attendez pas un breakdown technique des tracks, je vais juste être là pour kiffer, je sais même pas si je vais poser cette vidéo, donc voilà. Au pif. En tout cas, c'est parti, je suis hype, je suis un peu à la bourre, je sais, hein. Mais let's go, c'est parti. Ryo, la bête. Ah. Ça commence bien. Yes. Le batteur, un monstre lui aussi. Putain, où est-ce qu'ils sont allés tourner ça? C'est solide. J'ai chaud. Et il y a la classe, Rio. Un petit breakdown. Allez, énerve-toi. Yes, en voix de démon. C'est très très solide. Yes, les gars, très bon. Simple, efficace. Yes, extrêmement solide comme track, je dis simple, efficace. Là, ça s'entend pas trop, même s'il s'envoie quand même pas mal, mais le batteur aussi est un monstre, je me rappelle plus de son nom, je l'ai zappé. Ryo, le chanteur, un monstre, comme d'hab. Il a eu son petit moment où il prenait sa voix de démon, là, au breakdown. Très cool. Si vous connaissez pas Crystal Lake, vraiment, une bonne porte d'entrée, allez écouter leur musique. Les plus connues, c'est vraiment du très très lourd niveau métal, il mérite. D'ailleurs, le petit like. Il mérite vraiment encore plus
de vue, je trouve, perso. Voilà, Apollo, c'est un très bon départ, c'est leur plus connu. Oui, il y a aussi enfin eu un putain de live en bonne qualité, parce que les fans de Crystal Lake, qui sont comme moi, qui n'ont jamais vu Crystal Lake en live, savent que trouver du Crystal Lake en live de bonne qualité sur YouTube, c'est un enfer. Moi, j'en ai jamais trouvé perso. Et on a enfin eu le Resurrection Fest qui nous avait posté l'interview de Crystal Lake au Resurrection Fest, mais qui n'avait jamais posté le live. Et ils l'ont enfin putain de fait il y a genre une semaine, voilà. Et j'ai vu ça, j'étais genre trop refait. Donc pour ceux qui voilà, voient cette vidéo et peut-être ne savent pas qu'il y a ça de dispo, voilà. Crystal Lake live at Resurrection Fest. Et c'est juste la folie. C'est juste la folie. C'est un monstre. C'est taré. Voilà. Là, ça se voit bien que le batteur, c'est un monstre aussi. Et c'est des boules d'énergie, putain, il faut tellement que je les vois en live. Enfin bref, on n'est pas là pour réagir au live. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il commence. Ça fait déjà un moment. Mais qu'il commence à acquérir la notoriété qu'il mérite. Et on avait Disobey aussi. Donc ils ont sorti les deux tracks d'affilée, hein. En tout cas, moi, j'étais pas du tout au courant. C'est sorti de nulle part, mais ça fait plaisir. C'est parti pour Disobey. On nous a sorti le Summer EP 2020. Oh yes! Yes! Ah, c'est une machine de guerre le batteur. Oh là là. Yes. Ah, petit changement de rythme, de tempo, nice, et de riff complet. Yes! Ah putain, ça c'est ce que j'aime. Ah là là, Rio! Una puta máquina. Est-ce qu'ils sont en train d'appeler des yokai? Ah, c'est un rite sacré pour appeler les yokai dans ce monde. C'est tellement chelou ce mec avec. Qu'est-ce qu'il a autour du cou là? Oh! Oh, je l'ai pas vu venir celui-là. J'étais en train de regarder l'autre Chine dans sa piscine. Ah ouais, c'est super. Ça me rappelle énormément le break de fin d'Aeon. Un rythme très fracassé, très très lourd. Oh, c'est très bon. Ah, ça, c'est très bon. J'avais un feeling comme quoi.
On allait voir Watch Me Burn, qui était la plus vue des deux vidéos, et qui était probablement, voilà, une musique plus, on va pas dire radio-friendly, mais bon, on va l'appeler comme ça, on va dire radio-friendly. Mais qui allait toujours être cassé des culs, parce que ça reste Crystal Lake, et de Crystal Lake, de tous les albums, depuis que Rio a rejoint le groupe. Parce qu'il faut savoir que c'est un groupe qui remonte à très longtemps, et je crois que Rio a rejoint le groupe en cours de route, et avant, il était dans un autre groupe, il faisait du deathcore, très vénère, tout ça, enfin bref. Je peux dire que de tous les albums qu'ils ont fait depuis que Rio a rejoint le groupe, il n'y a qu'une seule musique que je n'aime pas énormément de tout le reste. Je surkiffe donc, je savais que ça allait être du lourd. Et je me disais, il y a moyen que Disobey, qui soit la deuxième track, soit vraiment, vraiment bien heavy comme il faut. Un peu dans le style de l'EP d'Apollo, où il y avait Apollo qui était très très lourd aussi, mais qui était quand même très catchy, très. Voilà. Et à côté, t'avais la deuxième musique, putain, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Ceux qui connaissent verront ou iront écouter en écoutant l'EP Apollo, qui était. Ah, Machina, je crois. Ouais, je crois que c'était Machina. On a Puta Machina. Machina qui est juste. C'est juste la représentation de l'enfer, quoi. Mais l'enfer dans le bon sens du terme, bien sûr. Si ça fait du sens. Bref, voilà. C'est tout pour cette réaction. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je surkiffe Crystal Lake si vous avez l'occasion de les soutenir en achetant de la merch ou d'aller les voir en concert ou quoi. Allez-y, allez-y, parce que j'ai déjà eu des retours de gens qui disaient. De toute façon, ça se trouve facilement même sur Internet, mais j'ai eu des retours perso de gens qui m'ont dit qu'ils étaient allés les voir en concert. Je sais plus si c'était à Lyon ou à Paris, mais que c'était la folie furieuse. De toute façon, les gens sur Internet le disent de partout, c'est juste la folie. Donc si j'avais ne serait-ce que la moindre occasion d'aller les soutenir et de les voir en concert. Allez-y, foncez. Pour ceux qui connaissent pas, si vous êtes intéressés, franchement, allez en écouter plus. Là, je vois qu'il y a Fit for a King qui a fait un featuring avec Rio, le chanteur de Crystal Lake, justement, Rio Kinoshita, que j'ai pas écouté, donc on fera peut-être une autre réaction de vendu. En tout cas, toujours est-il que voilà, c'est tout. Des gros bisous, la passion de la musique, tout ça. Ciao.